c'est la majorité des représentants du peuple français qui sont opposés à cette réforme des retraites. Comme il y a une majorité de Français opposés à cette réforme des retraites. Donc c'est vrai qu'on peut se poser véritablement des questions sur le fonctionnement de notre démocratie dans une circonstance telle que celle-là. C'est-à-dire quand le texte ne peut pas réunir une majorité parce qu'il est rejeté par une majorité de Français, il ne devrait jamais voir le jour. Alors nous allons évidemment déposer une motion de censure. Il faut censurer ce gouvernement. Et nous espérons que ceux qui s'apprêtaient à voter contre cette réforme des retraites voteront cette motion de censure. En ce qui nous concerne, nous déposerons une motion et nous voterons, comme je l'ai annoncé il y a des mois déjà, l'intégralité des motions de censure qui seront déposées. Le gouvernement doit tomber pour vous aujourd'hui ? Ça me paraît être une évidence. Comment est-ce que le gouvernement peut encore susciter la moindre confiance auprès des Français alors que je crois qu'il a perdu la confiance de la majorité de l'Assemblée ?